en tibétain dans un premier temps. Ensuite, je vais vous expliquer le but de notre sermon aujourd'hui en l'honneur de la réception de la flamme de la vérité. Troma de la Chuela, Abouma Chiti, Yurub Chiti, Kushu Wanjula Ubi, France Toso Gome, Timi Kishav Otula Gatulan, Ani Tanda Véronique Janon, Tanda France, Olonian Tangyang, Moranche, Ani Tanda France, Sani Toso Nanga Timi Kishav Yamak Boli. Ani jabo zandu tsogwa go tsogzu ma tsogzu la dache ya jibe tsogzu zirwa sana mendo kisho wanglu menchi jana monzo donir tsogwa ngoni tanda karshu gore kisho wujang de yu tima imbi nga zu France TV go tsogzu madame Ruchi kuranzi di khtsur chiwi ani gendengi di jachi buruk manso France da buruk manso tsama la Tirongu, Pumas Chindil Hansuke, Gustum Nambi, Ponang Zata, Netang, Zamlola, Tonang Sarvaj, Tinyat, and Yamde Jesu, when a Mamba, Nama, Tuchu, Nabju, Nadong, Jita, Tuchu, Tana, Tuchu, some Yubi, Jijavi, Titola, Azubutan, Lalong Chat, and Puk, Katadun, the Anichi, Yamde Jesu, Gui, Nachik, Langlong, Tony Mamba, Punatashu, Tanami, the Puk, Kanga Masaba, the Yamde Jesu, when the Jamni Yoyata, Tintola, language. Pegi Yozan, Ditola Maju, Mazu Yuru City, Kushu Wanchula, Pokena, Jibosan Angri, Ditongi Shiptan is Shu Maguveche, Takanta, Sani France, Buru Tsugi, Soksu Ming Tony, Nana Gir Tony, Jinli Yong Tabjini, Chanaz Tamal and Dirk Pepper, Samu Tashi de la Shui. Tadi Poki Gitsishi, any Nikoshula, Soya in Zangishida, Egyptian Takushu Maguaging, Paranzakela, Injimiju Mashu Kami Chansa, Gazna, Diabjong Niziri Titola, Tindas was in Paranzke Diab Chobaji. Je dirais maintenant exprimer en français. Dans un premier temps, j'ai l'honneur d'accueillir et présenter au public notre député tibétain pour la circonscription de l'Europe. Nous avons deux députés, donc Vénérable Kushu Wangchen, un des deux députés au Parlement tibétain en exil. Et donc, c'est la première fois qu'il arrive dans son circonscription parisienne. Donc, je vous dirais que vous réservez une réception triomphale. Deuxièmement, je voudrais aussi accueillir un des membres du Parlement au Sénat, M. Gatolet, qui est au groupe vert au Sénat, qui est aussi inscrit, je crois, au groupe de l'ami, groupe de l'information sur les TV au Sénat. Et donc, je pense qu'il fait partie de la nouvelle majorité. Je pense que le zéleux vert, commençant par Jean-Marc Brûlé ou d'autres, était toujours à nos côtés dans des différents moments difficiles. Donc, je pense que monsieur sera de la même teneur et même engagement et avec même sincérité. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir monsieur Gatolet aussi parmi les apolitisés, oui. Et madame Véronique Janin, je pense que la majorité des Tibétains français qui fréquentent le monde tibétain, le monde culturel tibétain ou l'engagement pour la sauvegarde de notre culture, vous la connaissez. Donc, allez utiliser sa notoriété au service d'une cause qui vraiment concerne la menace d'une culture de disparaître. Donc, un peuple qui se bat par des moyens pacifiques. Donc, madame Véronique Janon a créé une association qui s'appelle Grand Avenir. Elle a parrainé déjà 500 enfants à travers Népal et l'Inde où elle va revenir à l'occasion apporter des informations plus détaillées. Donc j'ai l'honneur d'accueillir parce que j'ai pris trop tard parce que nous avons aussi appris l'arrivée de Flamme depuis quelques jours. Donc elle a un peu changé, elle a modifié son agenda. Elle a vraiment, elle se donne beaucoup tout le temps. Donc je vous dirais que vous aussi applaudissez vraiment de façon généreuse aussi madame Véronique Janon, s'il vous plaît. Ainsi qu'il y a que de VIP, hein, attention.
Prochain personnage que je vous présenterai, c'est un grand reporter dans le milieu journalistique française, Monsieur Bernard Dubot. Il a fait des réalisations de documentaires de grands sujets qui concernent des questions internationales ou sociétales en France. Donc il a vraiment apporté son savoir-faire avec toute une objectivité de sa professeure qui exige. Donc il a réalisé un documentaire sur le Tibet en disant que Tibet deux points, mensonge chinois, le mensonge chinois point d'interrogation. C'est un très très bon travail et une collection des archives historiques. Donc il a été vraiment des archives russes, britanniques, gouvernement tibétain, gouvernement indien. Il a vraiment fait une synthèse qui est vraiment très 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 cohérent, objectif avec la réalité. Je vous remercie pour votre engagement depuis l'année 2008. Et peut-être, je ne sais, avant vous avez déjà des engagements en faveur du Tibet, mais votre documentaire, en tout cas, apprécié beaucoup par le public, comme ça a été dit. Plusieurs reprises en France 3, donc peut-être il va en parler tout à l'heure. Donc je vous dirais que vous applaudissez Monsieur Bernard Dubot. Prochaine personnalité que je vais vous inviter, ceux qui sont habitués à des manifestations le connaissent, Monsieur Jean-Marc Brûlé. Il a été très très fidèle et régulier avec même toujours au commandant de fidélité. Il était à peu près pratiquement toutes les manifestations l'an 2008, bien avant, depuis que je préside 2003, c'est-à-dire depuis 2003, il était à peu près à toutes les manifestations. Il nous a fondé un travail de relais auprès du conseil régional de l'Île-de-France au sein de conventions de parti vert, maintenant vert écologie, ça s'appelle, non, je crois. Et en tout cas, il fait un travail d'information pour sensibiliser les élus régionaux et nationaux. Je vous remercie pour la présence de Jean-Marc. Merci. Après, prochain personnage, c'est Marcel Roux. Madame Roux qui écrit France-Tibet, je crois. Ah ben, c'est pas exactement elle, mais c'est pas grave. Madame Roux qui préside France-Tibet depuis une vingtaine d'années, je crois. Mais si je me trompe, elle va préciser elle-même. Elle milite vraiment pour la cause tibétaine depuis une vingtaine d'années. Si je me trompe, vous pouvez rajouter pour rectifier. Je ne serai pas mécontent. Et donc, elle est aussi voyage partout en France. Dès qu'il y a quelque chose sur le Tibet, elle est présente. Surtout, c'est elle qui a lancé l'opération de drapeau mairie en France. C'est-à-dire maintenant plusieurs centaines de mairies qui sont sensibilisées, qui ont une journée pour le Tibet. Surtout le 10 mars, ils font une cérémonie solennelle pour arborer la couleur tibétaine. Ça, c'est grâce à Madame Roux aussi.